Avant de rappeler les lots, je voudrais tout de suite appeler l'assesseur donc de ce jury de Miss Côte d'Ivoire 2020, monsieur, madame la présidente, vous également, madame Diara Awa, directrice service client à MTN, et l'assesseur monsieur Julien Zairo, venez s'il vous plaît, pour nous délivrer de ce long suspense. Merci infiniment pour votre patience. C'est une finale un peu décalée, vous avez pu le constater avec l'ouverture, l'inauguration officielle du stade des Bimpé par son Excellence Monsieur le Président de la République, avec tous les membres du gouvernement et son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et juste après, un grand moment, celui que nous vivons ce soir, la finale du concours Miss Côte d'Ivoire. Alors, les résultats. Sous la supervision de Maître Tiako Lambert, commissaire de justice, vous êtes invité, s'il vous plaît, à venir. Avez-vous les résultats, s'il vous plaît? Maître, avec votre sceau et votre cachet que je reconnais, veuillez nous délivrer de ce long suspense, s'il vous plaît. Nous invitons les candidates, les 10 candidates, à revenir sur la scène. Dans un instant, vous découvrirez celle qui repartira avec une grosse cagnotte financière, avec un véhicule qui sera mis à sa disposition par le comité Miss Côte d'Ivoire, avec des voyages, la reconnaissance et le respect du public. Les candidates étaient habillées pour la tenue traditionnelle par Serge Tailly. Merci à tous les partenaires et sponsors. Merci au public qui a répondu nombreux. Superbement habillé par Uniwax, par la même magie de Wafa, la collection L'Envol. Les votes sont terminés depuis très longtemps, aux 98 000. Quatrième dauphine, monsieur Julien Zairo, s'il vous plaît. Avec le cache-nez Beaufort, Lague, Société Citoyenne. Bonsoir, monsieur Batista. Quatrième dauphine de la 24e finale du concours Miss Côte d'Ivoire. Quatrième dauphine, numéro 13, Brune Eunice. Quatrième dauphine, Eunice Brown. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît. C'était pas facile d'arriver là. Troisième dauphine. Numéro 17. Agbemado Evely. Thank you.
Le quintet se dessine pour recevoir les lots d'MTN, de Solibra, de la LONACI, Société Citoyenne de Shangan, de la Loyale Assurance. D'MTN. Troisième dauphine, Monsieur Zahiro. Nous l'avons, la deuxième dauphine maintenant. La deuxième dauphine, c'est Mademoiselle Sangaré Roxane, numéro 7. Nous allons encore une fois faire monter le suspense. Il nous reste, comme vous pouvez le constater, la Miss et sa première dauphine. Nous allons, par la voix de la présidente du jury et sous le regard testimonial de madame, de maître Yolande Bakayoko et bien sûr de madame Goudou Kofi Raymond, appeler deux candidates. Madame la présidente du jury, quelles sont les deux qui potentiellement seront les Miss Côte d'Ivoire ce soir? Alors, ça se joue entre Kouadio Marilyn, candidate numéro 14, et Doukouré Fatim, candidate numéro 11. Elles vont se placer ici, toutes les deux, à un mètre de distance. Voilà. À un mètre de distance, face à face. Face à face. Selon vous, cher public, nous avons besoin de vos votes. C'est vous qui décidez de la Miss Côte d'Ivoire. Est-ce la candidate numéro 11, la Miss Côte d'Ivoire 2020? Est-ce la candidate numéro 14? Le jury a décidé que celle qui sera pendant un an la détentrice de la couronne de la beauté en Côte d'Ivoire, c'est la candidate numéro 14, Miss Côte d'Ivoire 2020. La candidate numéro 14, première dauphine, la candidate numéro 11. Le choix du public, le choix du jury. Et nous allons appeler Miss Côte d'Ivoire 2019, Miss Taragay, qui va arriver. Et nous allons respectueusement appeler Madame Yolande Bakayoko, Maître Yolande Bakayoko, accompagnée par Madame Goudou Kofi Raymond, le ministre Siyandou Fofana, le ministre Amadou Touré, pour le couronnement de la Miss et les photos de famille. Juste à leur descente, suivront les sponsors principaux de Miss Côte d'Ivoire. Karim Ouattara, merci encore une fois d'être présent auprès d'un grand homme, président des Loteries d'Afrique. Monsieur Dramane Koulibaly. La couronne va arriver dans un instant.
Le comité Miss Côte d'Ivoire vous remercie infiniment pour votre patience, votre présence. Les Miss, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Avancez un tout petit peu. Avancez un tout petit peu. Ou reculez selon moi. Reculez un tout petit peu. Reculez un tout petit peu. Avancez, reculez. Voilà, reculez, c'est bien. Le couronnement. Avec la magnifique couronne sertie de diamants. Des officiels avec nos amis du protocole qui vont nous aider à positionner les membres du gouvernement. Monsieur le directeur général du NOAX, s'il vous plaît. Monsieur Atoumbré, veuillez s'il vous plaît venir sur la scène. Monsieur Batista, tous les partenaires, monsieur Macambou, les partenaires et sponsors, Côte d'Ivoire Tourisme. Monsieur Macambou. Monsieur Batista. L'agence emploi jeune. Changan. Nous allons, tous les partenaires, bien sûr, les sponsors principaux, Corsair, Madame Dia, est-ce que vous pouvez venir, Corsair, qui rapproche bien sûr la France de la Côte d'Ivoire à des tarifs exceptionnels. N'oubliez pas la conférence de presse tout à l'heure. Les membres du jury, s'il vous plaît. La photo de famille. Toute la presse nationale et internationale est attendue dans la salle désignée pour la conférence de presse.
Les membres du jury vont entourer de manière proportionnelle. Merci encore une fois, Madame Yolande Bakayoko. Merci pour l'honneur. Merci infiniment. Merci à tous les membres du gouvernement. Et un grand merci au public. Merci du fond du cœur. Rendez-vous l'année prochaine pour Miss Côte d'Ivoire édition 2021. Merci au comité Miss Côte d'Ivoire. Thank you.